Salut les miraculeurs, c'est Lady Noire. Aujourd'hui, on se retrouve une deuxième fois pour une vidéo news rapide. Je vais essayer de la faire d'entrée parce que j'ai pas beaucoup de temps, sans faire beaucoup de montage. Je sais pas comment je vais y arriver, mais du coup, si parfois je tousse un peu, un truc du genre, c'est normal parce que j'aurai pas la possibilité de couper au montage. J'ai vraiment pas le temps, vu que ce soir c'est le réveillon et j'ai envie de le passer aussi avec ma famille et nous. Enfermée dans ma chambre à faire un montage. Et donc du coup, on se retrouve pour une news, une explication et une news, une bonne nouvelle quoi. Donc déjà, c'est sûr, il n'y aura pas Couronne Echo ni les épisodes finaux cette semaine. Tout simplement parce que l'équipe Miraculous a réussi à imposer aux chaînes de ne pas publier les épisodes finaux avant les autres épisodes. Simplement, voilà, ils ont réussi à forcer ça. C'est pour ça que Gloob, il n'y a rien. Pareil pour TF1. Donc, on n'aura pas les épisodes finaux avant avoir eu Psychomédien, Penalty, McQueen, qui devrait arriver, selon des rumeurs, fin de mars 2022. Donc, j'espère que ces rumeurs ne sont pas vraies, parce que attendre les finaux jusqu'à mars 2022, non. Encore 3 mois, ça voudrait dire que la saison aura duré 1 an. Donc j'ai pas vraiment envie. Sinon, pour la bonne nouvelle, il y a RTS qui a repris la diffusion. En gros, le 15 janvier, on aura Vérité et Mensonge. Est-ce qu'il y a un espoir que ça continue et qu'ils diffusent Psychomédien? Je l'espère parce que c'est le premier sur la liste de diffusion. Couronne Echo et les épisodes finaux sont prêts. Ensuite, on a Psychomédien, Penalty, puis Quilling. Donc pour les épisodes finaux, évidemment, on doit attendre des queens. Mais Psychomédien, on peut l'avoir plus tôt. Donc si on garde le calendrier et tout, le 29 janvier, en théorie, on pourrait avoir Psychomédien. Franchement, j'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Et qu'on aura enfin ce Psychomédien parce que il est oublié, le pauvre. Apparemment, il n'a pas de grande importance pour la série. Mais c'est quand même un épisode de la saison 4, quoi. Donc ça serait dommage. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus sur cette petite vidéo news. J'aimerais aussi dire que je suis en train de tourner une nouvelle vidéo sur les erreurs Miraculous. Elle devrait arriver le 25 ou le 26 décembre au plus tard. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Attendez pas, et si vous voulez être sûr de ne pas le rater, bah abonnez-vous, la cloche des notifications, le blabla habituel quoi. Ça me fait toujours plaisir, chaque petit abonnement. C'est un nouveau pas vers les 5000 abonnés et n'oubliez pas la petite surprise de 5000. Sur cela, je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël et bah à bientôt !